Je sais que chacun d'entre vous avait déjà eu une relation, qu'elle soit finie bien ou mal. Tout le monde a eu à expérimenter cette histoire de relation, de pain croustillant où j'en passe encore. Maintenant, est-ce que vous pensez que après cela, si vous trouvez un nouveau galant, un nouveau étalon, est-ce qu'il faut lui parler de votre relation passée? Ce serait le sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous êtes bien installés. Ça se passe ici, sur le plateau de À cœur ouvert, et c'est après ceci. Mesdames et messieurs, aujourd'hui à cœur ouvert, je suis accompagnée de très belles personnes. À ma gauche, j'ai Monsieur Dieudonné. Comment tu vas, Dieudonné? Je vais très bien et vous? Je vais très bien aussi, merci. Et à ma droite, j'ai Mademoiselle Fadia. Fadia, comment tu vas? Je vais bien, Regina, et toi? Je vais très bien, merci. Très bien. Donc, aujourd'hui, le sujet phare serait est-ce qu'il faut parler de sa relation passée à son partenaire? Qu'est-ce que tu en penses, monsieur? Bon, en fait, moi, de mon côté, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on parle de la relation passée à son ou à son nouvel partenaire. Donc, vous êtes contre Je suis cela. carrément contre. D'accord. Catégoriquement contre. Catégoriquement. Ok. Et qu'est-ce que Madame Fadia pense? Pour moi, je dirais oui et non en même temps. Oui, tu peux Voilà. me dire pourquoi? Je dirais oui à cela parce que, tu vois, quand je peux dire, je donne un exemple, je ne dis pas directement que, bon voilà, mais je dirais oui parce que si tu as eu à te remettre encore en relation, c'est que ta relation précédente n'a pas abouti à quelque chose de bon. Oui, évidemment. Donc, catégoriquement ou obligatoirement, tu es obligé de te remettre dans une nouvelle relation. Et cela, c'est parce qu'il y a eu des failles dans ta relation précédente. Voilà, tu es obligé d'en parler avec ton partenaire pour qu'ensemble, vous essayez de remédier à ces Oui, failles oui. pour que tu ne te sentes pas encore obligé de quitter cette relation Oui. et encore de sauter dans une autre relation. Je dirais en même temps non. Je dirais en même temps non. Parce que je dirais non, pardon, à cela. Parce que tu n'es pas forcément obligé de le faire. Par peur de peut-être qu'il y a eu des choses dans ta relation précédente et que ton nouveau partenaire n'aime pas ou il n'est pas trop. Donc, tu es obligé de rester comme ça et toi-même, tu essaies de faire des choses qui ne vont pas amener à ce que vous rompiez encore. Oui, Oui, je d'accord. pense que. Merci beaucoup, Oui. Mademoiselle Fadia. Monsieur Dieudonné, dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes catégorique sur le fait de ne pas carrément raconter sa relation passée à son partenaire? Bon, pour moi, c'est un peu frustrant. D'accord. Parce que, bon, tu es avec ton ou bien ta partenaire, vous causez, et tu lui dis, non, bébé, tu sais, avant, quand j'étais avec mon ex, il faisait ça, elle faisait ça. Bon, peut-être que la personne avec qui tu es actuellement, elle ne fait pas Va ça. se sentir frustré. Bon, tu vois un peu? Oui. Bon. Ou bien, des fois, tu dis, bon, ouais, tu ne fais pas quelque chose, tu dis, non, bébé, tu aurais dû faire ça, parce que, bon, moi, mon ex, elle faisait ci. Voilà, voilà. La Tu fille se vois? sentirait frustrée en fait. Oui, ça Tu c'est vois, vrai. Oui. donc c'est pourquoi je dis carrément, il ne Non, faudrait pas pas qu'on cela. parle de son ex Oui. à son ou à son nouvel partenaire en fait. D'accord. Mais supposons que il y a, à part ce que vous avez cité par exemple, il y a des points où votre partenaire actuel a des similarités avec votre relation passée par exemple. Et que vous avez envie d'améliorer ces similarités-là. C'est-à-dire que elle a peut-être des mauvais comportements que vous voulez arranger. Est-ce que dans ce cas-là, vous ne vous sentirez pas peut-être obligé de lui faire part du fait que peut-être que ce défaut-là a été la base de votre rupture passée et donc vous avez envie qu'elle améliore ce côté-là? C'est une très belle question. En fait, dans toute relation, il y a la communication. Tu communiques avec ta chérie. Bien sûr. Tu vois? Tu dis à ta chérie, bon, bébé, tu sais, j'aimerais que tu fasses comme ça, j'aimerais qu'on fasse ci, bon, peut-être si tu fais comme ça pourrait aller comme ça. Mais ne pas dire à ta chérie que, bon, c'est ce que faisait mon ex, ou bien Oui. c'est comme si tu comparais ta chérie avec ton ex. Ça, Attends, je dans les rejoins. relations-là, les gens n'aiment pas qu'on leur compare leurs ex, en fait. Tu vois? Donc, tu sais pourquoi tu es dans la relation. Donc, il faut savoir parler avec ta nouvelle chérie, puis bon.
essayer d'arranger les choses et, ouais, et avancer. D'accord. Est-ce que mademoiselle... Ah oui. Est-ce que vous êtes d'avis avec ce qu'il dit? Je rejoins catégoriquement ce qu'il dit. C'est vrai que tu n'es pas forcément obligé de dire « Ah voilà, lui, il faisait cela, tu ne dois pas le faire aussi parce que je n'aime pas et tout. » Non. Tu vas lui dire directement « Oh chérie, ça, je n'aime pas. » Tu n'es pas obligé de dire « C'est ce qui a fait que voilà, j'ai rompu avec lui. » C'est frustrant et vraiment, ça dérange beaucoup. D'accord. Est-ce que, imaginez par exemple, vous êtes dans une situation dans laquelle où votre partenaire actuel se met à vous comparer à son ex, par exemple. C'est-à-dire que, à tout bout de champ, il met une comparaison entre vous et sa relation passée. Comment est-ce que vous vous sentirez? Quelle serait votre réaction? À cela, je dirais, si c'est comme ça, soit tu retournes avec elle, hein, ou soit tu cherches une autre personne là. Parce que là, c'est moi qui suis là. S'il veut corriger des erreurs venant de moi, il le fait directement. Il n'est pas obligé de dire, voilà, elle a fait ceci, elle a fait ceci. Moi, franchement, c'est pas trop mon feeling, en fait. D'accord. Donc, vous allez catégoriquement le balayer? Je vais pas directement le balayer. On va en parler. Comme il l'a dit, une relation, c'est la communication. Je vais lui dire vraiment, chérie, tu sais, elle a fait si tu le fais et tout, moi je n'aime pas. Si tu veux vraiment me corriger, dis-le moi directement et arrête de me comparer à elle. Voilà. Merci. Et vous, monsieur Denis, pensez-vous que si vous êtes face à une situation comme ça où votre partenaire, elle vous compare tout le temps catégoriquement à son ex, comment est-ce que vous réagirez? Ça, c'est simple. Je cherche à avoir les mots disponibles sur l'appel pour qu'il vienne retrouver sa go. Ah là, vous l'appelez directement oui, pour qu'il vienne... Parce que c'est simple, elle est déjà amoureuse de son ex. Oui, voilà, c'est assez. Le fait qu'elle vous compare à son ex, ça signifie déjà qu'elle est amoureuse de son ex? Oui, mais bon, c'est, je crois que ça veut dire qu'il se rappelle toujours de son passé, qui le dérange. Du coup, qu'il aille gérer cela... Et laisser ça derrière lui pour revenir en continu, en fait. D'accord. Vous êtes d'avis aussi avec ça. Donc, il n'y a pas de... Maintenant, qu'est-ce que vous faites de vos sentiments et de ce que vous ressentez pour votre partenaire quand ce cas-là arrive? Parce que forcément, vous aimez votre conjoint. Oui. Donc, si ça arrive, est-ce que vous n'allez pas plutôt chercher à faire comprendre à votre partenaire que ça vous déplaît? Vous allez carrément l'envoyer dans les bras de votre ex? Non. De son ex, pardon, au contraire. En fait, peut-être, c'est pas la première fois qu'elle le fait. Ok. Elle le fait une fois, tu dis non, j'aime pas trop que tu me parles de ton ex, voilà. Elle le fait une deuxième fois, non. Chérie, arrête de me parler de ton ex. Troisième fois, quatrième fois, mais ça devient lassant. Donc, c'est quand ça devient lassant que vous allez lâcher prise. Je me suis dit, bon, sûrement qu'elle est toujours amoureuse de son ex. Donc. Vous n'allez pas vous battre pour reprendre son cœur, la faire tomber amoureuse de vous? La femme, là. Oui. Quand elle se décide, en fait. Ok. Si c'est son escalade, tu peux rien faire. Non, mais on est d'accord, oui, une femme, oui. Ça peut se. On peut faire tomber amoureuse une femme. Effectivement. Pas forcément que. Je ne réfléchis pas. Oui. Déjà, la femme est avec toi. Tu es son gars. Mm-hmm. À chaque fois, elle te parle de son ex. Non, mon ex a fait ci, mon ex faisait ça. Okay. Il faisait ci, il faisait ça. Ça va. Non, chérie, j'aime pas trop que tu me parles de ton ex. Parlons de nous, toi et moi. Ok, une, deux fois, vous parlez de vous. Après, elle revient encore parler de son ex avec toi. Lorsque par exemple la communication, comme vous le dites, vous lui parlez, vous lui dites chérie, je n'aime pas que tu me parles de ton ex et tout, ne marche pas. Est-ce que vous ne connaissez pas peut-être sans doute une autre méthode de lui faire ne plus penser à son ex par exemple? Attends, tu ne peux jamais empêcher quelqu'un de penser à quelqu'un. Jamais? C'est impossible. Vous êtes d'avis aussi, mademoiselle Fadia? Je peux dire oui. Hein? Oui, jamais. Mm-hmm. Donc lorsqu'on pense sauf à son ex. Sauf si la personne même. Ne veut plus penser à la personne. D'accord. Je sais pas si tu comprends. Si. Voilà, sauf si. Parce que peut-être physiquement, la personne va te montrer que oui, je ne pense plus à lui ou je ne pense plus à cela, ceci, cela. Mais dans son cœur, il ou elle pense forcément à la personne. Tout ça, c'est parce que peut-être cette personne du passé lui a fait quelque chose qui l'a vraiment touché. Et que c'est... Mais vous aussi, vous pouvez faire quelque chose pour toucher votre partenaire. Quelque chose qui serait bien plus touchant que son ex, par exemple. Mais ça,
D'abord, il faut tout faire pour connaître vraiment sa partenaire. Ça, c'est vraiment important. Il faut tout faire pour vraiment, vraiment, vraiment connaître son partenaire de long en large. C'est vrai qu'on ne connaît pas une personne tout fini, mais il faut vraiment tout faire pour connaître cette personne. Dans certains cas, je connais certaines personnes qui me diraient qu'ici, s'ils étaient là, ils me diraient que pour pouvoir réussir à toucher le cœur de l'homme, déjà, c'est d'abord par la cuisine, pour nous les femmes, bien sûr. C'est d'abord par la cuisine parce que l'homme, il aime bien manger, on est d'accord. Et après la cuisine, et puis il y a ce deuxième côté-là. C'est-à-dire que quand tu es dans la chambre avec ton homme, tu vois un peu, savoir le prendre, tu vois. Est-ce que tu ne penses pas que avec ça, tu pourrais quand même réussir à le faire oublier son ex? Si, si, c'est possible. Mais je vais aussi te rappeler que de nos jours, je peux dire, on voit toujours qu'il y a des femmes à la maison qui font tout pour satisfaire leur homme. Mais ces hommes, désolé le thème, mais têtus qu'ils sont, ils vont toujours voir dehors. D'accord. Ça, c'est... C'est pas toi qui vas me le contredire, ni toi, Regina. Voilà. Donc, malgré tout ce qui se passe à la maison, toi, tu vas toujours aller voir dehors. Non, pas moi, quand même. Peut-être. Ah, donc toi, tu fais l'exception. Voilà. Toi, tu ne vas jamais aller voir dehors. Tu es sûr? Oui, je suis un fidèle. Monsieur est fidèle. Monsieur est fidèle. Très fidèle, hein. Mais moi, je ne connais pas d'homme fidèle. Hein. C'est bizarre. Moi aussi, je n'en connais pas. Hein, parce que... Bah, vous le voyez sur le plateau. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Là, Fadia va poser peut-être sa candidature après pour tester la marchandise pour voir. Ok, d'accord. Avant de continuer, on va voir le CV de Monsieur Dieudonné en attendant. Et puis, on va marquer une petite pause et on vous revient très bientôt. De retour sur le plateau de À cœur ouvert, mesdames et messieurs, nous étions vraiment chauds tout à l'heure. On était en train de déposer le CV de Mademoiselle Fadia à Monsieur Dieudonné qui était en train de dire haut et fort que lui, il est le seul homme fidèle de la Terre et on adhère absolument. Ou bien Mademoiselle Fadia? Ah, d'accord, bref. Nous sommes à notre partie anecdote. Donc, Monsieur Shadow, je vais vous demander si... À tout hasard, est-ce que vous n'avez pas déjà expérimenté dans votre vie le fait d'être sorti avec quelqu'un et de lui avoir raconté votre relation passée? Et si c'est le cas, racontez-nous un peu comment est-ce que la réaction de votre partenaire a été et comment est-ce que ça s'est fini. Ok, cela s'est passé le 14 janvier d'une année dans le 21. D'accord. Voilà, c'était la première fois que j'ai compté la go. On s'est parlé, tu et tu. Quand elle m'a vu, elle m'a dit que je ressemble à une scène des ex en fait. D'accord. Et, c'est là que ça a commencé. Elle m'a parlé, je lui ai parlé. Bon, moi, j'ai un peu exagéré. Je lui ai parlé aussi de mon goût. Voilà. Celui que j'ai eu un dimanche 6 mai. Vous retenez toutes les dates. À 23h25 minutes en fait. Ouh. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'était là, on a parlé, puis bon, on s'est séparés. Apparemment, ça lui a manqué en fait. Et je crois que, pas plus tard que dans le mois passé, on s'est parlé, je lui ai dit, bon, elle sait que ça fait exactement 3 ans qu'on s'est vécu la première fois, tu et tout. Ouais. Et elle m'a fait sortir de ce camp avec le judas. Je lui avais fait parler de mon ex, qu'elle n'a pas aimé, tu et tout. Bon, c'est là juste que vraiment j'ai foutu en fait. Voilà. Je n'aurais pas de le faire, mais bon. C'est bien fait. Je me suis excusé. Elle veut continuer. Et c'est après 3 ans qu'elle vient te dire que le fait que tu lui aies parlé de ton ex la première fois, elle n'a pas pu. Si. Mais c'est elle qui a commencé, non? Ouais. Et pourquoi est-ce qu'elle se plaint alors? Bon, sûrement parce que moi, j'ai exagéré. Donc, comment est-ce que vous avez exagéré? Dites-moi un peu. En quoi est-ce que vous avez exagéré? Après, je faisais l'éloge de mon ex. Ah. Ah. Vous avez fait l'éloge de votre ex devant celle que vous courtisez. Voilà. Comment est-ce que vous avez réussi à faire ça? Je suis très intriguée. En fait, le truc, c'est que l'ex en question, je l'ai trop aimé, en fait. Pardon? Il dit qu'il l'a trop aimé. Ah, okay. Allez-y, vous pouvez parler, bien sûr. Ok. Tu l'avais trop aimé. Mais qu'est-ce qui a causé votre séparation, si tu me permets Vas-y, de poser la question? Vas-y, il n'y a pas de souci. Bon, pour du vrai, je me suis... Ça arrive.
Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui a causé la séparation avec mais son ex. Mais vous êtes séparés. En fait, j'ai appelé la séparation par rumeur aussi. Ah, donc tu as eu goumet, pré-goumet même. Oui, vous étiez dans la relation et puis vous avez reçu des échos que vous n'êtes plus dans la relation. Non, pas que j'ai eu des échos que nous sommes plus dans la relation. En fait, à un moment donné, quand j'écrivais à l'ex en question, elle me répondait, mais tardivement en fait. Des fois, elle répondait à mes messages. Okay. Et à l'époque, elle causait avec un de mes amis. Donc, quand l'ami lui envoyait des messages, elle répondait vite fait. Donc, j'ai demandé à l'ami de demander à la fille. Finalement, la goût et moi, c'est comment ouais. Bon, c'est là-bas, j'ai su que, en fait, c'est moi ici dans la relation. Mais elle n'est plus. Elle est déjà voilà, tu sors avec toi-même dans la relation. Tu es seule dans la relation, en fait. Oh là là, je suis sincèrement désolée pour ça. Déjà, hein, j'espère que... Je pense que c'est déjà passé non, et tout c'est ça. Du passé, c'est du passé. Oui, maintenant vous ne pensez plus à elle. Non. Et que demain, si vous voulez courtiser une femme, vous n'allez plus faire l'éloge de cette dernière-là. Non, ça, c'est fini, ça s'est passé. D'accord, merci beaucoup. Mademoiselle Fadia, dites-moi, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas une anecdote à nous conter? Bon, je peux dire que moi, franchement, pour dire la vérité, j'ai pas eu trop de relations. Et si je me rappelle bien, je ne suis pas rentrée dans une relation dans laquelle je me suis vue en train de parler de long en large de mon ex à mon partenaire actuel, lui. Mais plutôt, je me rappelle que j'ai été dans une relation que j'ai oublié les dates et les tout ce qui va avec. Oui. Voilà. D'où le partenaire était un peu comme mon ex. Il avait à peu près les mêmes faits que mon ex et tout. Et moi, en fait, je suis quelqu'une, je ne perds pas trop le temps. Quand je vois que quelque chose va me faire mal, quand je vois que l'éveil date d'indigne, oui. je me libère tranquillement et je vais souffrir et voilà, ça passe après quoi. Tu vois, donc c'est un peu ça quand je me suis mise dans cette relation et j'ai vu que non, lui, il va vraiment me faire subir ce que mon ex m'a fait subir. Alors petit à petit, je me suis retirée et voilà. C'est vrai que la personne, elle m'a demandé à savoir après. Ce qui n'allait pas et tout, je lui ai dit, j'approuvais pas trop sa façon d'être avec moi et tout. Il m'a demandé, je lui ai dit, mais malheureusement, il est comme ça. En fait, il est comme ça. Donc, et j'ai remarqué aussi qu'il n'a pas voulu changer. Ouais. Alors, je me suis dit, s'il veut pas changer, ce qui veut dire qu'il ne veut pas, en fait. Il ne m'aime pas. Et quand tu aimes une personne, tu vas permettre à cette personne de te changer, au fait. Oui. Oui, sur certains côtés. Alors, quand j'ai remarqué cela, je me suis libérée, comme on le dit, et voilà. D'accord. Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. C'est un plaisir parce que ça faisait longtemps que je voulais. Vous avez dégagé, fait sortir les choses. Est-ce que vous n'avez pas un message à passer à Monsieur X, par hasard? J'espère que tu vas bien. Sinon, moi, je vais bien. D'accord. Surtout, j'étais après à beaucoup manger. J'espère que tu continues par manger parce que le manger, c'est la base. J'espère que c'est Monsieur ça. X n'a pas m'écrit. Est-ce qu'il m'écrit ou pas? Ça, c'est son problème et sa nouvelle meuf. Évidemment. Ouais. Quel serait votre mot de fin pour clôturer ce thème-là en beauté? Mon mot de fin sur ce dans cette émission à cœur ouvert, vraiment, ça tombe bien qu'on en parle des relations parce que de nos jours, on constate vraiment que les relations amoureuses, comme on le dit, surtout nous les jeunes, vraiment nous les jeunes, c'est vraiment catastrophique. Vraiment catastrophique. Je vais vraiment le dire à haute voix. C'est vraiment catastrophique, mes chers. Si vous voulez vraiment être en relation, s'il vous plaît, il faut doser. Mais comme meuf, s'il vous plaît, il faut vraiment doser. Parce que on sait pas, c'est pas tout le monde qui a un cœur en pierre et tout. Il y a d'autres qui sont vraiment qui fragiles. Ont des cœurs sensibles, vraiment, très fragiles. Et ça fait mal. Ça fait mal. Si vous quittez une relation dans laquelle vous vous êtes pas senti à l'aise, qui vous a vraiment fait mal et tout,
si vous savez que vous n'êtes pas prêt ou prête à vous remettre et à subir cela, vraiment prenez votre temps à trouver quelqu'un qui va vous... Ne vous précipitez pas, en fait. Pas du tout. Et c'est dommage parce que la génération d'aujourd'hui... Vraiment... Tellement, mais vraiment pressée qu'on ne sait plus où est-ce qu'ils vont à la fin. Effectivement. Et mais... surtout côté sexe, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous aimez trop le sexe. Ok, donc il devrait doser sur ça. Il devrait vraiment doser. D'accord, merci beaucoup pour vos conseils. Monsieur Jeudonné, quel serait pour vous votre mot de fin? Bon, moi, mon mot de fin, il est simple. En fait, le truc, c'est qu'on parlait aussi de relations. Quand tu sors de relation, tu parles de relation avec ta nouvelle partenaire. En fait, il y a beaucoup de boulot aujourd'hui, c'est parce que les gens n'arrivent pas vraiment à oublier les ex. Quand tu es dans des relations, tant que tu n'as pas vraiment oublié ton ex, tu feras du mal à la personne qui est là, en fait. Donc, il va falloir se guérir soi-même d'abord, voilà, avant de rentrer dans une nouvelle relation. Donc, c'est ce que je peux dire comme mot de fin, en fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin, malheureusement, de cette émission. On va devoir se séparer, mais ce n'est pas très long. On va très bientôt se retrouver, rassurez-vous. Pour ce thème aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a retenu? On a retenu de ne pas garder en mémoire nos ex lorsqu'on va entamer une nouvelle relation. Surtout, éviter le fait de parler de vos anciennes relations à vos nouveaux partenaires parce que ça risquerait de les frustrer. Et en troisième position, le petit bonus serait de gérer votre libido. Ouais. J'espère que vous portez bien et que vous êtes vraiment heureux de nous avoir suivis aujourd'hui. D'ici là, prenez soin de vous, comme je le dis d'habitude, et à très bientôt. Ouais. Bisous.